Salut les filles, donc je reviens pour faire une petite vidéo sur le fond de teint ELF, donc qui est comme ça. Donc en fait, il y a Laure95 qui m'avait demandé si ce fond de teint était bien. Je lui avais répondu que moi je le trouvais vraiment pas top, qu'il avait tendance à faire briller le visage et tout ça, donc je le recommandais pas en fait. Eh bien, je pense qu'il peut convenir quand même à certaines personnes. En fait, là, donc, je l'ai appliqué sur mon visage. Donc, j'ai simplement mis ma crème de jour donc sur tout mon visage. Et j'ai appliqué donc pardon, le fond de teint donc ELF. Donc là, c'est... Je sais plus la teinte, c'est pas écrit. Donc, est-ce qu'on pose comme ça? Bon, c'est un peu crado, je suis désolée. Donc, voilà. La couleur, je sais plus, ça doit pas être la... plus claire, ça doit être celle de juste après, la deuxième. Je l'ai appliqué avec mon pinceau de chez ELF, le plat comme ça, et donc il va très bien je trouve. Et ensuite j'ai juste appliqué donc cette palette là en fait, la palette de correction en fait de teint avec mon kabuki. Donc je voulais vous montrer un peu au niveau de mon visage en fait ce que ça donne, parce que avec cette poudre là je trouve que le fond de teint il va nickel. Je vais vous faire un zoom. Donc on voit quand même encore mes imperfections, hein. Je les ai pas du tout camouflées, hein. J'ai même pas mis d'anti-cerne, j'ai rien mis du tout, j'ai pas mis de correcteur à part la poudre. Et je trouve que ça a quand même pas mal unifié. Après, si on fait quelques corrections au niveau des rougeurs, des petits boutons d'acné ou quoi. Vous voyez au niveau d'ici. On voit encore mes taches de rousseur. Donc voilà, je trouve que le... Vous voyez de loin en tout cas, ça se voit pas. Je trouve que ce fond de teint là, il est quand même pas mal avec, avec cette palette là. Donc c'est la palette de la gamme Studio. Ouais. Donc elle doit être à 4 € je crois. Donc voilà, j'ai pas mis de blush, j'ai rien mis du tout, je viens juste de faire mon teint. C'était vraiment pour vous montrer le résultat et... Donc pour le moment en tout cas ça brille pas. Je pense pas que ça va vraiment rebriller. Et au pire si ça rebrille, je repoudrerai dans la journée comme d'autres fonds de teint normal quoi. Donc voilà, pour le teint, pour ce fond de teint qui doit être à 6,80 € il me semble. En plus il est SPF 15. Donc voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés par ce fond de teint, moi je pense que vous devriez l'essayer. Parce qu'en fait il peut être pas mal. J'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout à part ma crème. Et vous voyez là je brille pas du tout, j'ai bien poudré et ça va nickel. Donc essayez-le, testez-le, vous verrez bien par rapport à votre type de peau. Moi j'ai une peau... un petit peu bizarre, elle est, parfois elle est un peu sèche, parfois elle est un peu grasse... Elle change un petit peu. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Donc moi je vous conseille d'essayer quand même ce fond de teint avec la poudre. Celle-ci, donc c'est la complexion perfection. Oula. Donc avec cette poudre là, en tout cas moi les deux ensemble vont très très bien. Donc ça marche. Donc je ferai mon teint certainement avec ce fond de teint là. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.